Hey up tout le monde, c'est Shorty et on se retrouve pour un second épisode sur Dead World. Comme vous pouvez voir, j'ai un texture pack plutôt sympa. C'est basé sur le John Smith, il est un petit peu modifié. Il y a pas mal de choses qui ont été changées par-ci par-là pour rendre ça un peu plus sympa. Parce que sinon c'était assez dégueulasse avec tout le John Smith, genre les inventaires, etc. sont assez dégueulasses à... Comment dire? À comprendre. Donc du coup vous pouvez voir aussi c'est en 720 et non pas en 1080. Pourquoi? Parce que le 1080 60 fps sur le disque que je record actuellement, donc le seul où j'ai de la place prévue pour en fait, est un disque dur de stockage à la base. Donc pour le 720, le 1080, ça passe. Par contre, du 1080 en 60 fps, le disque dur est à 5200, donc du coup il ne va pas assez vite pour encoder. Et le problème, c'est que ça saccade comme dans l'épisode juste avant. Donc du coup, je vais vous laisser en 720 60 fps en attendant de trouver une solution ou d'acheter un autre disque dur dès que j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir tourner. Puisque sur les SSD, j'ai malheureusement pas assez de place pour pouvoir tourner un épisode vu la taille que ceux-ci prennent avec Fraps. Alors, on en était où? On en était à toi, t'as une belle gueule de con. Mais genre vraiment quoi. Alors on en était à, il faut aller sur une autoroute si je me trompe pas. Moi, si elle se la rotten flèche, j'ai des orchidées bleues pour des potions, rag baba baba, une patate. On va prendre un molotov, ouais, on va prendre du molotov. Les steaks, on en a 6. Et je n'ai pas encore eu le temps de modifier tous les command blocks, donc du coup je vais continuer à faire la traduction avec ma traduction assez foireuse, mais bon, c'est ça qui est marrant. Alors, on va ouvrir... Il faut aller où en fait? Ouvrir. Ouvrir. Voilà. Faire ça. Dans ce temps-là, vous voyez que la nuit commence à tomber. Apparemment, les shaders ont gardé le dessus, donc on va garder les shaders. Et on va y aller. Go on supply run with Victor. Bon, on va aller chercher après du supply, donc du matériel avec Victor. Alors, start. Chargement, Victor. Alors, nous y sommes. Tu attends ici, Victor. Ok, je vais attendre ici. Alors, je fais juste un truc rapidement. Je vais juste regarder ici. Ok, c'est bon. Alors, j'aimerais bien savoir s'il va faire jour ou s'il va faire nuit. On peut voir aussi que comment dire, qu'il bug pas mal, donc il va faire nuit. Je vais faire... Enfin, je vais garder les shaders. On verra bien. Do you reckon... est-ce que tu penses que Aaron peut... peut réparer cette moto? Bike. Ouais, moto, parce que ça serait bizarre que ça soit un vélo. Probablement, je vais le mettre dans la voiture. Ok, donc c'est moi qui ai demandé si il pouvait le mettre dans là-dedans. Oh, on peut pas monter dessus. Ah si. Voilà. Alors, comment on fait pour le mettre dans la voiture? Il y a moyen de le faire aller dedans ou... Ou il faut faire quelque chose en particulier, je sais pas, il n'y a pas de bouton apparemment. Alors, je vais enlever les shaders parce que la nuit, on ne voit pas grand chose. Et ça sera plus sympa pour vous. Et je les remettrai pendant la journée. Alors, des ombards. Alors, des steaks, des flèches et des fioles vides. Pourquoi des fioles vides, je sais pas. Parce que... Ils se sont dit que c'était une bonne idée, des fioles vides. Et ici, nous avons Bagdad. Ah là, ils ont l'air déjà un petit peu moins sympa. C'est marrant, à chaque fois on tombe une tête, à chaque fois qu'on en tue un. Enfin, en même temps, vaut peut-être mieux, parce que sinon, après pour faire du stuff, ça risque d'être assez galère. Eh, tu me tapes moins fort, s'il te plaît, José. Je vais taper José, le zombie. Alors... Bonjour. Comment vas-tu?
J'aimerais savoir en fait à quelle distance on est de la map, puisque on se promène mais seulement avec une voiture en fait. Donc comment est-ce que c'est géré? Est-ce que c'est sur les endroits qui sont loin de l'autre? Ou bien est-ce que ce n'est pas si loin? Je sais pas. Alors, je vais regarder si je n'ai pas oublié une orchidée quelque part. À première vue, non. Bonjour, comment vas-tu? Ouais, mais il y en a partout quoi. Et ben alors on est bloqué. Comme une merde. Alors nous avons du sang, nous avons des pierres tombales. Ah non, c'est des sacs de couchage apparemment. Ouais, des sacs de couchage avec les têtes qui sont toujours dessus. C'est sympa, c'est creepy, j'adore. Et j'adhère. Alors, ça, je peux pas l'ouvrir. Ok. Là, y a rien. Alors, des flèches. Rag, c'est des pansements, enfin des chiffons. Et improvisé de médecine. Instant Health, level 2. Ok. Ça peut toujours servir. Ça pourra toujours servir. Alors. Je regarde si... Je crois que j'ai trouvé le spawn point des zombies. Qui est ici. Alors, nous n'avons pas d'orchidée bleue. N'avons pas d'orchidée bleue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher? Des zombards par ici. Bonjour. Hey. Doucement, José. Voilà. Alors, on va marcher, on va éviter de courir de trop. Alors, la poudre à canon, une bombe, Esther de match level 4, et un steak, encore une fois, donc niveau bouffe, ils sont pas radins, et ça c'est chouette. Eh oh, du calme. Du calme les zombies, du calme. Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas, toi si tu vas prendre une tannée. Voilà. C'est vrai aux zombies là ou pas, ou est-ce qu'il y en a pas? Il n'y en a pas apparemment. Là je pense pas que je pourrais avancer. Je pense qu'il va y avoir un mur invisible à un moment ou à un autre. Voilà ici. Alors. Donc pour l'instant c'est plutôt calme. Enfin plutôt calme. Il y a des zombies mais je veux dire ça reste des zombies quoi. Il n'y a pas d'archer et tout ce qui va avec. Alors, un molotov, un steak, si j'ai bien vu aussi, à l'intérieur. Alors, une stone brick, une arrow et une un molotov. Bah ça, tu cours assez vite, toi. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus résistants aussi, ou alors je me trompe. Je me trompe certainement, c'est pas... Je dis personne à la science infuse. Il y a des mobs bloqués derrière quoi. Bonjour. Bah, on va essayer de pas mourir, hein, ça serait con de mourir. Oui, il y a un grand bâtiment là derrière. T'as la même camionnette que la mienne. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Bon, déjà on va attendre que Roger le zombie se soit barré.
Ah, il y a une citerne ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Encore un molotov et des flèches. Les flèches, c'est bien. On en a quand même pas mal, l'air de rien. On n'a pas besoin de se plaindre. C'est assez sympa avec ce texture pack. Ça rend bien. Bonjour. Ah, je pense que les zombies là sont aggro vers... Je crois qu'ils ont envie de manger Victor. Du coup, je vais voir s'il n'y a pas un truc à choper ici en attendant. C'est ça, Victor, continue. Continue. Comme ça, ils s'occupent pas de moi. Continue les aggros. Ils sont un peu cons, t'inquiète, tu vas voir, ça passera tout seul. Il devrait bientôt en avoir plus à abattre. Au secours! Au secours, vite, il faut aider Victor. Il faut aider Victor. Il veut qu'on l'aide. Comment je fais pour passer de l'autre côté? Faut que j'aille aider Victor. Vite. Ça, c'est chaud. Voilà, ça c'est fait. Alors, respawn. J'ai respawn où? Ok. Je pense qu'actuellement, Victor a mangé. Pendant que mes FPS ont chuté, mais genre violent. C'est bon, c'est revenu. Bah, bah, du coup, on va refarmer les têtes, hein. Sympa, le seul qui fait pop les zombies devant moi. Oui, je sais, j'aurais peut-être dû utiliser une potion de heal, un molotov ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je préférais garder ça un maximum de temps. Ah, aussi, les orchidées, je risque peut-être de pas les reconnaître en fait avec ce texture pack. En tout cas, actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je pense que j'ai échoué dans le sauvetage de Victor parce que je n'entendais plus le petit hein. Du coup, on verra. Meurs, meurs, meurs et meurs et meurs. Aïe, aïe. Eh, c'est pas du jeu. On n'a dit pas par derrière. On avait dit pas par derrière, saloperie. Et sinon oui, c'est très le spam click. On m'a dit Shorty, tu peux faire une macro. Ça veut dire pourquoi pas, mais bon, une macro, voilà quoi, c'est ça reste un truc qui est simple à mettre en place, mais bon, une fois que je clique, ça vient spammer. Peut-être pas top top niveau expérience. Alors 31 level, ça va. En fait, je suis mort comme un con en essayant de rush pour aller sauver sauver monsieur Bitonnet là, mais... Eh, hey, tu vas bien vite, toi. Toi aussi. Remarquez que tu lags le mob là, ou bien sur une partie solo. Putain, mais il va vite, lui. Ok, donc eux... Ah, Victor, non. Ah, Victor. Non, mais non, Victor, non. Pauvre Victor. Bah, je vais être obligé de te tuer, malheureusement, Victor. Désolé. J'ai pas pu t'aider. J'ai pas pu t'aider, mais bon. Repose en paix. Sac à merde. Alors... Je peux pas passer par ici de toute façon. Bah. Du coup j'aurais farm pas mal de têtes de zombards, je pense. Ok, donc les zombies qui courent, on ne sait pas les knockback apparemment. Mais les zombies qui marchent normalement, on peut.
Le diamant à savoir. Eh, doucement. Merci. Bah. Finir la mission. Je suis désolé à Aaron. Je savais que... Je sais que vous étiez des bons amis. Ce n'est pas ta faute. But we need to move on. Ok, donc dans ce monde, les gens meurent. Mais bon. Il faut qu'on avance. Maintenant, si je peux réparer cette moto... Cool. Ok, donc maintenant, si je peux réparer cette moto, je vais peut-être pouvoir aller run. Qu'est-ce que c'est? Peut-être pouvoir faire des rondes, enfin pas des rondes, je veux dire aller chercher du matériel ou des trucs comme ça, je sais pas. Aller faire le scout quoi. Slow man. Vas-y mollo mec. Est-ce que Aaron est revenu? Non, ça fait 2 jours. Je commence à m'inquiéter un petit peu. On va faire des voix différentes en fait. Ouais. La ville peut être dangereuse. Peut-être... Ouais. Donc ok, donc ça c'est moi qui dis ça. Ok, donc on va aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais avant, on va continuer d'entreposer tout. Alors, tête de zombard, j'en ai genre masse. Genre bien. C'est pas les mêmes ça. Alors, toi, stone brick. Fondation. Fondation, 2 stone brick, ça fait des fondations. 2 stone brick. Alors, on va faire ça, on va prendre de la gridstone et de clay. On va prendre de la stone, oak wood. On va voir. Alors, 2, ça nous fait fondation. Ah, ça va faire quoi avec? Je le mets où? Fondation. Ah. Ça, c'est moins top, par contre, si tu m'affiches le tag. Et que tu m'affiches pas ce que ça fait. Je te mets là, ça passe? Pas. Alors, c'est F3 plus H, si je me trompe pas, c'était bien ça. Fondation, ok, ça ne met rien. Shelter blueprint, shelter for new survivor. Ok, donc ça, et ça. Hop. Storage room blueprint, oui, s'il plaît. Ok, donc ça et fondation. Ok, ça et une fondation. Voilà. Armory blueprint. You can buy powerful weapon. Ah, armory. Ok. Donc il va me falloir 4 stones pour faire ça. Ok. Wooden wall blueprint. Iron fence wall. Ok, donc c'est des briques et... Une stone brick et des iron bars. Je crois que j'en avais une. Ouais, j'en ai une nice là. Ok, wall blueprint, brick et ça. Et le reste, je n'ai pas pour l'instant. Je n'ai aucune idée de où il faut que je mette ça en fait. Suppose qu'il devait y avoir un endroit où je dois mettre ce truc, mais où? J'avais plus du bois. Désolé pour les F3, j'ai seulement de m'en rendre compte en fait. Et je fais quoi avec ça? Je fais un clic droit. Wooden wall blueprint. Je fais quoi? Eh hey mec, je fais quoi avec ça? Je dois les donner à quelqu'un? Yo, y'a quelqu'un? Ah, la moto est là. Ok, bon.
Là, comme ça, actuellement, je vois pas trop ce qu'il faut que je fasse. Et toi, t'as toujours ta tête de con, c'est cool. Des flèches. Ok, donc ça, c'est le reste. Alors, je vais mettre ça là. Optionnel mission. Ok, donc je vais mettre ça dans le coffre pour l'instant. Voilà. C'est fait avec du verre, forcément. Faire ça pour l'instant. Et je check juste le temps actuel du tournage. Ne bougez pas. Ok, donc nous en sommes à 20 minutes. Donc on va encore faire 10 petites minutes et puis on s'arrêtera là. Donc voyager jusqu'à la ville. Voilà, travel to the city. Démarrer. Chargement. Il faut que je cherche après Aaron. Et j'ai pas pensé à remettre les shaders pendant que je suis sûr qu'il va commencer à faire nuit du coup. Vu le temps que j'aurais pris. Alors. Aaron. Aaron. Le truc le moins safe au monde. Il y a des gens qui veulent te. Qui peuvent tuer n'importe qui dans. Absolument partout. Et toi, t'es en train de crier. Aaron, t'es où? Montre-toi, couillon. You. Petit con, où es-tu? Hey Aaron, je sais que t'es là. Te cache pas. Me force pas à venir te chercher. Ah, une moto. Ah, c'est la moto d'Aaron. Fuck. Comment t'es sûr en plus? Aaron? Hey, toi, viens ici. Ok. Ça se présente mal. Ouais. Bienvenue dans ma ville. Enfin, dans notre ville. Je suis Albert. Est-ce que vous auriez vu un homme ici récemment? Oh, Aaron, bien sûr. Vous pouvez l'apporter ici. Je ne sais pas. Enfin, vous pouvez faire venir ici. Je sais pas. Est-ce que vous pourrez amener mon pote ici? Est-ce que j'entends des zombies? J'entends bel et bien des zombies. Ça va être Bagdad ça. Donc oui, est-ce que vous pouvez ramener Aaron ici? Je ne sais pas. Voilà. Cela sinon je vais me faire tuer au final. Eh oh! Là, ce Bagdad, je manque l'épée, elle est pétée parce que sinon bon ouais donc tu pourrais ramener mes potes ici je sais pas oh mais please quoi pause. Wow. Vilain. Bon, du coup. Non mais please quoi, mec. Ah, et en plus, il me bloque ici, cet enfoiré, quoi. Faites sac à merde. Bon, je vais peut-être pouvoir retraduire la fin là, non? Ceux qui ne peuvent pas traduire. T'as mis please, il me voit d'où lui? Bah. Mais bon, il n'y en a plus. Bon, ouais, si vous pouvez ramener... you know, the one you kill. Si vous pouvez ramener mes potes ici, vous savez?
ce que vous avez tué à sa souriçance. Eh merde. Eh ouais. Que le show commence. Et les voilà. Donc, ouais, en gros, il balance les zombies. Ah, putain, qu'est-ce qui va pas avec toi, mec? C'est Hyperheim. Ouais, c'est Hyperheim, mon pote, Bissalini, si c'est vrai. Mais bon, c'est assez marrant à regarder, en fait. Hein. Libérer la nouvelle vague, les mecs. Et puis bon, voilà, blabla. J'adore tout ça. Bon, c'est pas mal. Mon perso, il pète une durite, il lui dit bah, qu'il va tuer tout le monde. Parce que, fuck it. Il va les tuer tous. Et eux, ils nous disent, bah, c'est pas prêt d'arriver de toute façon. Allez, nouvelle vague, s'il vous plaît. C'est assez chaud, en fait, parce que, bon... Je suis pas Benzaï non plus, ni Bob, donc du coup, pour traduire à la volée comme ça en anglais, c'est pas spécialement facile. Surtout quand tu te fais assaillir par des mobs en même temps, tu te dis tu stresses à cause du bruit des mobs à côté. Et du coup, c'est Bagdad. Alors ça, une bombe, il doit en rester quelque part. Puisque là, le Gugus, il ne parle pas. Non? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, allez, mec. C'est pas une bombe, ça passe? Ah, il est pas mort, c'est nul. Je peux pas le taper à travers. Là, actuellement, comme ça, je vois pas ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas retourner en arrière? Bon, là, c'est des murs, je comprends. C'est fermé, et là, je pense que la vague a bugué, en fait. Ou alors, il y a un mob que je vois pas. Du coup, je vais lui balancer une bombe sur la tête, ça n'a rien fait. Bon, hier, on a découvert quelque chose. Ok, donc les zombies qu'on a découvert récemment sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts que les autres. Oh, Aaron, non, mais non, Aaron, please. Ils sont en train de tuer toute ma famille, ces enculés. Désolé, Aaron. Désolé. Désolé, mec. Désolé. Donc, ouais, no... T'as mais please, quoi. Donc, oui, Biter. Donc, les... C'est comme ça qu'ils appellent les zombies, en gros, comme dans Walking Dead, qu'ils les appellent les... Bah ouais, dans tous les trucs, en fait, ils ont chaque fois leur nom. Ils sont beaucoup plus forts qu'auparavant. Un petit peu comme ton pote Aaron, en fait. Laissez-les sortir, espèce de fils de pute. Bon, maintenant... It's not start. Ouais, allez, ça sera arrête de s'insulter, de toute façon. Et donc là, je dois utiliser la pickaxe pour défoncer la barricade. Où est-ce que tu vas? Bah, je vais aller dans ton cul. Mais ça sera au prochain épisode. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Malgré la difficulté à... Comment dire? À traduire tout ça. Eh, t'as eu? Malgré la difficulté à travers tout ça, je vais essayer de trouver où sont les command blocks parce qu'il y en a masse sur la map. Et le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé où ils sont tous les dialogues. J'ai trouvé une partie. Donc voilà. Donc j'espère qu'avec le texture pack, ça vous plaît. Si. Après les shaders, il faudra que je pense à les désactiver et réactiver. Mais je pense que je vais garder ce texture pack, il est assez sympa.
trouve assez sympa. Donc voilà, voilà. Donc merci d'avance pour le petit j'aime et le petit commentaire que vous laisserez dans cet épisode. Si par hasard vous auriez la version de cette map complètement traduite qui traînerait sur forum ou autre, n'hésitez pas. Du coup, j'utiliserai celle-ci. Enfin, je reviendrai jusqu'ici, j'utiliserai celle-ci. Et sinon, bah, que dire de plus si ce n'est que merci d'avoir regardé cet épisode. Et sur ce, n'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop. Ciao ciao tout le monde et à dans 2 petits jours pour la suite.